37 ans, Franck Hamas est le marin le plus titré en multicoque. Perfectionniste, rigoureux, talentueux, le compétiteur ne laisse rien au hasard. Franck Hamas est un excellent marin, mais pour cumuler les victoires, il faut avant tout savoir s'entourer et créer une dynamique collective autour d'un projet. Et de ce point de vue, Franck Hamas est aussi un manager de talent. La preuve en est avec sa récente victoire sur le trophée Jules Verne, où après 3 tentatives, il devient le skipper le plus rapide autour du globe en équipage. Difficile de résumer en quelques mots le palmarès de ce compétiteur hors norme depuis ses premiers bords en optimiste devant le Vieux-Port de Marseille. Candidat victorieux du Challenge Espoir à 21 ans, 24 fois sacré sur le circuit des trimarans Orma, aucune régate ne semble l'intimider, aucun record ne semble pouvoir lui échapper. Concernant la route du Rhum, sur 3 participations, il termine 3e en 98. Après un abandon en 2002, il signe une belle 5e place en 2006. Groupama 3 a pris une nouvelle configuration pour la route du Rhum. Le mât a été raccourci de 38,50 m à 33,50 m. La trinquette a été placée sur enrouleur. Un second poste de navigation a été mis en place sous la casquette. Et un vélo trône désormais sur le pont en complément des moulins à café pour le réglage des voiles. Mais le trimaran conserve ses dimensions de coque d'origine avec 32 mètres de long et 23 de large. Malgré ces modifications spéciales route du Rhum, Groupama 3 semble bien disproportionné pour un seul homme. Reste à savoir si Franck pourra maîtriser sa machine seul en course et dans des conditions musclées. Si tu seras avec le bateau, oui, si on me demandait de traverser l'Atlantique aujourd'hui avec Groupama 3, je suis beaucoup plus serein qu'en 98 avec Groupama. Ça c'est évident, mais après ça reste une compétition et ça sera relatif par rapport aux autres. Et je ne sais pas si je vais aller plus vite, je ne sais pas comment ça va se passer. Je sais que quand on regarde leur moyenne, ils arrivent aussi à faire des trucs très bien sur des tours du monde. Et même en vitesse pure, je ne vais pas être très très loin au-dessus. Donc si par moment je suis au-dessus, la difficulté, ça va être de garder ces moments-là le plus longtemps possible. Et donc de faire des bonnes transitions, des bons choix de toile et d'avoir confiance dans son bateau.